Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, un sujet sur les acteurs de la solidarité en Alsace, suivi d'un reportage sur le congrès mission qui a eu lieu en Alsace il y a quelques semaines. Et puis, comme d'habitude, nous terminerons par notre agenda interreligieux. Il s'était donné rendez-vous aux trois épis. Eux, ce sont les acteurs de la solidarité du diocèse de Strasbourg. Ils étaient là pour partager leur expérience et en témoigner. Nous y étions également pour Parabole avec Pierre Niederkorn et Sandra Schubnell. Trois épis accueillent les serviteurs solidaires. Cette journée est organisée par le service diocésain des œuvres de solidarité et de charité en lien avec la commission diocésaine du diaconat permanent. Son but, échanger, rassembler les acteurs des œuvres solidaires et caritatives. Les membres d'EAP, donc équipe d'animation pastorale, pour la solidarité, alors il y en a de moins en moins, mais souvent ils disent on est perdu, on ne sait pas ce quoi faire, voilà. Et du coup, on voulait insuffler cette journée pour leur apporter quelque chose et qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls. Temps fort de cette journée, l'intervention d'Odile Fournier, sociologue et impliquée. Elle apporte un éclairage sur les réalités de la pauvreté en Alsace. À peu près un tiers des personnes qui sont en situation de pauvreté ont un travail. Ça veut dire que le travail ne permet plus de sortir de la pauvreté. Et régulièrement, l'INSEE Grand Est fait des études sur la pauvreté dans le Grand Est et les chiffres rejoignent les chiffres nationaux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus accès aux services publics dans le monde rural. Et évidemment, les plus fragiles sont les plus pénalisés. Il faut savoir aussi que dans une ville comme Mulhouse, une personne sur trois est pauvre. Les associations jouent un rôle considérable et irremplaçable. Sans elles, sans ce pouvoir d'agir qu'elles procurent, notre société ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Les acteurs associatifs et les acteurs de l'Église sont essentiels. Ce sont toujours eux qui ont apporté des réponses à la pauvreté. Sans eux, il n'y aurait pas de possibilité de mettre en œuvre une politique sociale parce que l'État leur donne ce rôle en les subventionnant, en les finançant, etc. Il y a autre chose qui passe, il y a la considération de l'autre. Les gens peuvent se sentir accueillis, considérés comme des personnes et des citoyens à part entière. Et c'est aussi important presque que l'aide qui leur est fournie. Ainsi, les acteurs de l'Église sont importants. De par leurs actes, de par leur écoute, la charité est l'affaire de tous. Que la pauvreté soit matérielle, spirituelle, psychique, corporelle, cette mission fait partie de la mission de l'Église. Elle est un lieu essentiel de la mission de l'Église. Le jour où l'Église n'aurait plus le souci des plus pauvres, elle ne serait plus fidèle à elle-même, à sa mission. Autour de cette mission essentielle, cette journée dynamise les acteurs de la solidarité. Ils ne sont pas seuls et œuvrent ensemble pour plus d'efficacité. On ne peut pas travailler tout seul. On a besoin de savoir ce qui se passe, quelles sont les autres associations et de travailler en synergie avec ces associations pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et puis faire en sorte que on puisse vraiment être présent mais efficace sur le terrain puisqu'on apporte une partie de la solution. Tous nos amis sont là, donc c'était important qu'on y soit aussi et qu'on peut dire que surtout qu'on existe encore parce qu'il fallait un moment de visibilité aussi sur le diocèse pour dire qu'on est encore là. Voilà, et qu'on œuvre encore dans ce sens pour que les gens soient dignes et qu'ils aient une place dans notre Église et dans la société. Et parfois, un matelas par terre qu'on glisse sous le lit. L'aumônerie diocésaine des prisons est présente. Elle nous rappelle qu'elle permet aux personnes détenues qui le demandent de pratiquer leur religion. Elle contribue à apporter plus de dignité dans la communauté. On oublie parfois que dans notre Église, il y a des communautés de chrétiens catholiques qui se rassemblent, qui ont une réflexion aussi, qui prient. Souvent dans les cellules, il y a des coins prières. On nous demande beaucoup de Bible. La pauvreté dure et se renforce dans notre société, et parfois ce constat peut être décourageant. Il est alors important de mobiliser sans relâche toutes les solidarités. Elles mènent au chemin de la dignité. C'est une affaire de choix et non de fatalisme. Les moyens d'éradiquer la précarité existent.
Tout de suite, nous passons au congrès Mission qui a eu lieu à Sélestat et dans d'autres villes d'Alsace il y a quelques semaines. Ce congrès Mission rassemblait également des acteurs de la mission dans le diocèse pour partager les expériences et donner des idées aux uns et aux autres. Nous y étions également avec Pierre Niederkorn et Sandra Schubnell. Ah ben, je suis en train d'aller d'un truc à l'autre pour le congrès Mission. Joseph Larman, curé de Sélestat, est sur tous les fronts et en tout lieu de la ville. Ce week-end, Sélestat accueille son premier congrès Mission, un événement qui rassemble des chrétiens pour travailler à faire connaître Jésus. Créé en 2015, le congrès Mission était organisé les 6 premières années à Paris, puis il s'est élargi en 2021 à 9 grandes villes en France. Cette année, il prend une nouvelle forme avec des initiatives individuelles des paroisses. Après avoir fait des congrès missions pendant des années à Paris, puis après dans les grandes villes, eh bien qu'on se mouille à la base avec les moyens du bord. Et je suis agréablement surpris de voir que des gens très divers se sont mobilisés pour préparer cet événement. On a des sensibilités diverses, mais l'essentiel nous unit. Chacun s'est rassemblé en l'église Saint-Georges en présence de l'archevêque Monseigneur Delannoy, pour qui ce congrès Mission est une première. Je suis très heureux aussi de débuter mon ministère en Alsace en participant à un congrès Mission. Comme vous le savez, il y aura 9 congrès Mission. C'est quand même intéressant de le dire et de le redire. 9 lieux où on va réfléchir à la mission et découvrir les multiples manières d'être missionnaire aujourd'hui, en sachant qu'évidemment, tous les baptisés sont missionnaires en raison de leur baptême. À Sélestat, ce sont plusieurs lieux qui accueillent une grande diversité d'ateliers, avec une thématique, comment annoncer l'évangile dans la société actuelle. Durant ces ateliers, donc chacun peut choisir en fonction de ses goûts, en fonction de ses affinités. Il y en a pour tous, donc que ce soit pour, dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'enfance, dans le domaine de l'art. Vraiment, il y en a vraiment pour chacun. Chacun peut s'y retrouver. Une autre équipe ? Allez, c'est parti. Un escape game est organisé dans l'église Saint-Georges. Excusez-moi ? Vous cherchez quelque chose ? Ah, les globes en verre. Alors, on cherche la fameuse lumière où il y a les globes en verre. Je trouve ça intéressant de sortir en dehors du cadre des messes ou de prières. C'est basé sur la vie du saint de cette église. Donc, ça me permet aussi d'apprendre l'histoire des différents personnages de la Bible d'autres manières. Les chrétiens sont attendus dans l'attractivité et dans la joie. Un atelier propose une expérience spirituelle à travers la danse. Là, je viens de sortir d'un cours de danse, en fait, mais la danse avec Dieu, on prie en dansant, c'était magnifique. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus diffusé, ces méthodes qui ne sont pas forcément des prières conventionnelles. On a commencé, on était un peu crispés, les visages un peu coincés, et puis on s'est détendu, on a pris de la force, de l'énergie. Le congrès rassemble les chrétiens, mais il est aussi missionnaire. Il s'attache à faire rencontrer le Christ à chacun, une révolution dans les cœurs, mais aussi dans les actes. L'Église est vivante. Quelquefois, on a l'impression d'entendre qu'il faudrait faire des choses pour gagner des parts de marché ou gagner des catholiques parce qu'on serait dans une phase de restriction. Voilà. Hein? Et on ne fait pas des choses pour essayer de sauvegarder une institution. On fait des choses pour que l'Évangile soit annoncé. C'est ça qui est important. Cette année, le congrès Mission s'est proposé dans la création d'infinités de petits événements missionnaires partout en France sur le terrain local de la mission. Rendez-vous est donné en 2025 pour un événement unique et national. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le 31 octobre, les églises protestantes fêtent la Réformation. C'est l'anniversaire de la publication des 95 thèses de Luther, le 31 octobre 1517, qui marque le point de départ de la réforme protestante dans toute l'Europe.
Le 1er novembre, les communautés catholiques fêtent tous ceux qui, dans leur vie, ont été les témoins privilégiés du Christ. Certains sont des saints reconnus, d'autres sont restés anonymes. Le lendemain, 2 novembre, les communautés font mémoire de tous les fidèles défunts. Ainsi se termine notre émission. À bientôt pour un nouveau numéro de Parabole.